tous ces camions sur la route, tous les jours. Ça en fait du carbone, ça pèse lourd. Et tiens, un bon nombre d'entre eux sont remplis, sûrement, de bouteilles en plastique, de flacons, de shampoing, de gel douche. Ah ça oui, on est propre, on sent bon. Mais nous, on est toujours chagrin quand on jette nos bouteilles vides au fond de la poubelle. Ces déchets, ça fait longtemps que ça nous file le bourdon. Ce plastique, omniprésent dans nos vies, et toute cette eau utilisée pour fabriquer les flacons, pour les remplir. Oui, on l'avoue, l'eau, c'est notre perpétuelle obsession. Est-ce qu'on pourrait la préserver encore plus? En utiliser encore moins? On fait déjà notre part, mais surtout, on ne dort jamais. Toujours à la recherche du bien, du mieux, de l'authentique. Ça prend parfois du temps tout ça. Des années. C'était mieux avant, vous dites? Alors là, pas sûr. Mais peut-être qu'on peut prendre le meilleur d'hier, y mettre un soupçon d'aujourd'hui et aller plus loin encore. Car si on ne peut pas revenir en arrière, on peut encore faire mieux pour demain.